Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie d'Antonin. Bonsoir Tonton. Bonsoir. Aussi appelé John McGlass. On a des gros camions avec des grosses remorques de repas. C'est quoi tout ce bazar? Au secours. On a le plein complet. Et pourquoi on a deux remorques de repas qui traînent derrière? Parce qu'on n'est pas sur un garage. Tu veux dire qu'il faut qu'on aille trouver le garage? C'est ce que tu essaies d'exprimer là. Ouais, et il y en a deux dans la carte. Soit on part sur la gauche, soit on part au fond, de la carte. Mais je pense qu'on aille à gauche plutôt parce que il y a plein de points de vue. Mais c'est peut-être tellement... Il y a quoi qui a un grand camion? Non, j'en ai un aussi. Je suis derrière, c'est juste que tu me vois pas. Ah oui, parce que Michel est un pote. Oh bah vas-y, moi je. Hein, camion. Hein. Non, vaut mieux qu'on aille à droite. On traverse la rivière parce qu'on a la station de service juste à côté après. Je sais pas, mais on va où tu veux, moi, mais on y va. Eh, mais attends, pourquoi? On a la station de service là, ici, non? Non. Ah, si, il y en a une juste là. Ouais, pardon. En fait, juste la voie, quoi. Donc, bon, en gros, il faut que j'ouvre la carte parce que tu sais pas où on va, c'est ça? C'est ça ton projet? Si. Moi qui voulais faire une game intégrale sans ouvrir la carte. Je crois qu'il faut faire succès en solo. Mais il n'y a pas de garage en fait, genre. Si, ils sont en sud-ouest. Ils sont en sud-ouest et en nord-est. Okay. Nord-ouest, pardon. Et c'est juste que j'ai pas ma carte. Je viens de voir, en effet. Je t'avoue que ce camion me laisse. Je comprends pas pourquoi tu vas faire de l'essence ou... Ah si oui, parce qu'on a une remorque. Ouais. Ouais, pour la remorque de REP, je sais même pas. Attends, est-ce qu'il y a du carburant dedans? Moi j'en vois pas. Ajouter 20 litres. Ouais bah non, j'ai pas ce qu'il y a. Bah non mec, c'est 200 litres dedans. Non mais là, moi je peux ajouter 20 litres parce qu'il prend que 20 litres dans mon camion. Oui, non, mais il s'est pas rempli à fond. D'accord, j'arrive. Eh, c'est moi ou j'ai. Mais t'es un clodo. T'es un clodo. Tu vas faire demi-tour. Hein. Pourquoi? T'as pas remarqué que moi j'avais un double attelage là? T'as pas oublié quelque chose? Non. En fait, il faut tracter avec un. Avec ta remorque, il faut tracter. Une autre remorque. Mais non, dans ce cas-là, tu prends le BC-66, t'es con? Ouais, je prends le gros. Valeur sûre. Excusera de préférer les valeurs sûres. Bah, je fais un aller-retour dans ce cas. Et pourquoi on devrait prendre ces remorques-là? Je sais pas. Parce que c'est des points de garage aussi. En fait, là, on a les 8 points de garage avec nous. Chacun. Là, t'en as 4 derrière toi. Moi, j'en ai du coup 4 et 4. J'en ai 8. Oh. Ok. Voilà pourquoi. En fait, je pose un premier chargement et je pars avec le deuxième. Mais t'as pris les deux remorques derrière? Oui. Bah, je les tire avec un. Je l'ai câblé quoi. Je l'ai troyé. Je l'ai élitroyé direct. Un groupe t'aurait fait pareil. Peut-être en boîte auto, mais il est comment? Là, tout le monde. Je vais aller me différencier l'idée. Litres par une, c'est quand même un peu. Je me sens pas bien là. Ah, quand je vois des consommations supérieures à mon D537, je me sens pas bien. Je vois flou un peu. Ah, la con, c'est pas du tout. 40 litres. Juste un faux plat. Ok.
Ou t'es parti chercher ta remorque? Non, elle est pas tirable avec le truc. Elle est quoi? Elle est pas tirable avec le truc. Pardon? Je suis sûr. Non, avec le vaisseau sensé, je parle. Ah oui! Alors, ça c'est sûr en fait qu'aucun d'entre nous ne peut l'attacher. Parce que sinon il te l'a fait commencer directement à attacher à ton véhicule. Ok. Donc, ça je vais me... Alors, je te cache pas que je suis une route, hein. Après je verrai bien où j'atterrirai. Pour l'instant, je suis. Si tu vas à gauche, tu vas faire celui qui me reste. Moi je vais traverser et je vais aller faire celui qui est tout là-bas, mais je le finirai pas en one shot. Bah, dans ces cas-là, suis-moi. Hein. Moi, t'arriveras au garage, tu t'apprends un peu d'essence. Hein. Non, y'a pas d'essence dans ce garage. Et dans tous les cas, j'ai envie de te dire suis-moi parce que. Attends, cette remorque, je prends pas là. Suis-moi! Suis-moi complètement en fait. Hein. Parce que moi je trimballe ma remorque. Mais tu peux pas la prendre. C'est bien mignon, mais je suis pas sûr de pouvoir la déposer. Et normalement, je pourrais pas la déposer. Si je suis la logique de conception du jeu. Si tu peux l'accrocher, t'as une attache derrière. Ok. T'es sûr, hein? Ouais, je suis sûr, t'as une attache derrière. Les vidéos trop courtes, les gens ne les regardent pas. Non, les gens regardent des vidéos qui font 5 heures. Ça, c'est vachement impressionnant. C'est vraiment. C'est une révolution. Si tu le dis. Parce que finalement, ne brisons pas les codes YouTube. Hein. Le code de YouTube qui dit que les vidéos doivent faire 10 minutes 30. Ni plus ni moins. Vidéo de 10 minutes 35 secondes dans la boycott, une vidéo de 10 minutes 20 dans la boycott quoi. Là peut-être qu'on dit à YouTube en fait faut mettre en tendance ces vidéos qui font 5 heures. Peut-être. Je pense qu'on bouscule le monde du game. C'est ce que tu me dis. Avec les câbles aussi. Il n'y a même pas écrit de bise. Ça t'a même pas effleuré l'esprit. Non. Officiellement, t'as tourné plus de vidéos avec moi que n'importe lesquels des fondateurs de Content Publishing. Officiel, ah bon. C'est dans cette vidéo, c'est officiel. Ah bon? Ouais. Les fondateurs, peut-être que certains ici s'en rappellent, ça m'étonnerait. Des gens qui sont pas. Heureusement, Corona, j'ai une réduction grâce au Corona, c'est un temps. Alors je pars par là, mais je sais pas où je vais. Juste qu'il y a un chemin, ça se rapproche un peu plus normalement du garage. Je pars par là. Hein. Je sais pas si c'est tellement une bonne idée, je sais pas si la remorque est suivie, je peux pas regarder. On dirait que ça suit. Hein. Ce camion il a pas l'air ouf dans le sens où il a pas de puissance, enfin, pas tant que ça en fait par rapport au D537. Ah, il va moins vite que le D537 quoi. Après son moteur est plus haut
En vrai, techniquement, ce camion est plus cool. Après, ça dépend de ce qu'il peut emporter aussi. Consomme pas beaucoup plus, avec consomme plus fort dès que tu comptes. Mais ouais, faut voir ce qu'il emporte. Mais ouais, je pense que c'est un bon deal. Ah, s'il a une grue, c'est le meilleur deal. J'ai trouvé le point de vue. J'y vais avec le bon camion. Ah, si, ouais, s'il a une grue, c'est la win. C'est le meilleur camion officiel. Après, ça dépend de ce qu'il peut avoir avec la grue. Ah, bon, fou, s'il a une grue, c'est le meilleur camion officiel. Parce que je suis pas trop fan des 538. C'est avec quel c'était celui-là ? C'est celui que t'avais pris, c'était le. Bah, le cousin, il voyait le tracteur 537 qui pouvait avoir une grue. Ouais, parce que c'est il manque de pneus et tout, il y a pas la dernière. Des citrouilles par ici. Et le garage. Ah, avec un petit K700. Hein. Un petit K700. Ouais. Il y a un K700 par map, c'est quoi cette blague? Le mec, c'est son camion. Et j'ai un D535 pour toi. C'est bien D535. C'est lequel celui-là? Je vais décharger 4 points de garage. Mais normalement, tu peux reprendre l'autre. Je suis pas formel par contre. Non, c'est ça qui me faut. Ah, alors, c'est encore plus simple. Le jeu ne propose même pas de le prendre. Voilà, comme ça. C'est vrai? Ouais. Développe du camion. Merci. Mais t'es sûr, le jeu te propose même pas de la prendre? Non. Le point noir n'existe même pas. Ok, bah j'arrive. D'ailleurs, avant de la lourder, j'aurais dû prendre le carburant qui était dedans. Ouais. Après, attends, avant de venir, t'as peut-être ton D535, tu peux essayer de l'attraper. Moi je suis en train d'essayer de voir avec mon K700. Non, ce que je te rappelle que je ne vois pas ta remorque. C'est comme ça. C'est fatigant ces jeux où on joue pas dans le même monde là. Ah mais attends, mais j'ai ça moi. Je peux pas. Ouais, je suis obligé de t'attendre. Ouais, putain, j'aurais dû. Je pensais que tu pourrais le prendre parce que regarde à l'arrière de ta remorque, t'as un petit arceau. Ouais, mais il me propose même pas de je vois même pas l'encoche noire en fait. Ouais, non plus, je pense que c'est la remorque qui est cassée, c'est bien. Non, normalement non, mais alors, je vais bien le reprendre pour revérifier. Ok, je vais regarder le truc. C'est fait pour que je puisse le prendre. Normalement. Alors, faudra peut-être venir me chercher. De quoi? Faudra peut-être venir me chercher parce que je vais pas te mentir que ce véhicule c'est de la merde, il sent beaucoup. Le celui que t'as là, Ouais, le blanc sent beaucoup. Ah, donc il est moins bien que mon 537. Merci. Je suis pas sûr encore, mais en tout cas ce que je sais c'est que dans la boue. Ah mais je peux. Ah non mais d'accord, je sais pourquoi je peux pas. Parce que même si le garage est pas débloqué, c'est un jeu de merde. C'est quand tu fais du coup avancé, en fait il veut toujours pas te montrer, voilà c'est ça. Il veut pas te montrer la remorque, il veut juste que tu livres des trucs, que tu t'équipes et voilà. Et donc c'est toujours un jeu de merde, ça a toujours pas changé. Déjà parce que c'est un jeu de merde. Bon, les... Non, en fait c'est pas qu'il s'embourbe, c'est qu'il creuse énormément. Oh voilà. Putain, il manque 2 points de garage. En fait les carrettes là c'est que... Ouais, donc dans tous les cas je vais juste venir poser... Ouais, mais tu vas pas claquer 4 points de garage, non, je vais lâcher un... Je vais prendre un B66 et puis... Tu peux pas ramener... Avec le B66 tu peux pas les tirer. Pardon? Oui. T'as pas la tâche derrière pour le prendre. Oh non, mais d'accord, mais j'avais pas la tâche quand même. Enfin, moi je m'en fous, je veux dire, mon camion est déjà au garage. Tout ce qui m'intéresse là, c'est de tirer avec ma remorque pour le ramener. Hein.
T'es sûr que t'auras la puissance? Je sais pas. T'entends rien. Là, on tiendra rien. Ah, c'est toi qui leur mis d'essence. Ouais. Tu vois, c'est juste parti quoi. Ouais, mais moi j'aurais quand même pas ce point. Alors qu'est-ce que je fais? Moi je tape un demi-tour du coup, c'est ça? Et je vais déposer mes 4 points dans l'autre. Ouais. Et ouais, tu viendras avec le. Ah, et tu reviendras avec le camion blanc déposer 4 points. Avec le camion blanc déposer 4 points. Oui, bah oui, de toute façon, je serai obligé de repartir. Bon, ça, soit on patiente gentiment que mon B66 vienne avec ses points. Avec les 2 points manquants. Pour toi, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si moi je suis. Là, toi, tu vas faire ça, t'emmènes ton B66 ouais, ouais. Et moi, j'emmène mon blanc à l'autre garage. Ouais. Ça fait. Et tu prendras pour faire les points et tu... 535 là qui t'ont filé pour l'équiper. Ça aussi, pour ramener les 4 points supplémentaires. Ouais. Ah, ou alors moi mon blanc, ça dépend. Je peux te ramener mon blanc en fait. Ouais, ça, ça dépendra du lot. Voilà, ça dépendra de ce que vous faites, de ce qu'il y a. Bah, je peux peut-être rouler un peu plus vite. Hein. Non, je peux peut-être rouler en boîte auto alors. Non, je pense que rouler en première. Je roule en premier, donc en premier. Avec ton blocage différentiel permanent sur le P66. Petit camion très cocasse, très rigolo. Un premier speed tire, qu'est-ce que tu jouais celui-là? T'arrêtais pas. Tu l'avais. Il était partout. Et il était pas trop mal en vrai. Ça vaut pas un 157. Qu'est-ce qu'il vaut un 157? Bah non, je veux dire. Là, un russe, il est mort. C'est pas son truc. C'est pas sa cam. Le garage où je suis, mec, c'est le champ de citrouille. Hein. Ah bah, régale-toi, fais ton succès. Attends, avant de décharger les points de garage, ils ont pas une carte de carbone. De quoi? Avant de prendre, avant de déposer les points de garage, prenons le carburant. Est-ce que tu vois un véhicule à toi que je peux débloquer par là ou pas? Je peux pas regarder pour l'instant, j'ai réussi à lancer mon B66 en quatrième. Je ne peux pas regarder tout de suite. Ça marche, marche, tu me diras. Ok, je tombe en première. C'était bien. Putain, les boîtes automatiques sont tellement mal gérées dans ce jeu. Là où t'es, je vois rien. Ok, ok. Bah attends, je fais mon succès des citrouilles puis je vais explorer un peu. Sûr, calme-toi. Hein. C'est bon, je l'ai. J'ai fait 3 mètres et dans le. Que je me décharge un peu. Oui, non, mais c'est pas de la répa que je veux, c'est du carburant. J'ai l'impression que le B66 est la Parkinson avec ses petits trucs. Oh, il a les roues qui traversent le plateau arrière, on dira rien. Ah ouais. Oui, oui. Oui, oui j'ai le bizarre. Avec le graphique qui s'est pas trop posé de questions. Non, c'est bon, c'est passé. Et de toute façon, on s'en fout sur Bad Runner, les gens ne jouent pas le B66. Que nini. Faute. Faute grave, et je suis témoin. Tout simplement. Ah oui, non, non, il faut d'abord que j'aille au dessus, je peux. Je me rappelais que dans le tailleur de base, là, quand on avait fait les cartes avec le grand Bob, on était obligé de croiser les sillons pour pas s'enfoncer et tout. C'était tellement la galère de fou. Pas des 66 qui roulent quand il est droit à côté du sillon. Ouais, c'est lui. Au moins, c'est une mécanique qui est. Qui est, comment dire, intelligente. Tu vois la scierie où je suis? Pas du tout. T'as pas la scierie. C'est pas une scierie, il y a un kiosque à bois ici. C'est mort, on y va pas.
côté. À côté du spawn. Ah oui. Ah c'est de la merde. Pourquoi? À ce point-là? C'est en gros t'as la scierie, t'as le kiosque à bois, t'as un endroit de plat, le reste c'est légèrement penché sur la gauche et c'est des trous avec de la flotte et de la boue. Non, mais est-ce que tu t'enfonces dedans ou pas? Oui. Ah, est-ce que tu galères vraiment à bouger ou pas? Bah là je suis avec le B66 à vide. Non. Bah t'es pas tout à fait à vide, normalement mais... t'as du jus sur le dos. Oui, non mais c'est 400, c'est rien par rapport au temps de bois. Après c'est à voir les autres, hein, mais celui-là, je le conseille. Ça c'est trop bien, c'est vrai qu'on n'a pas de rétroviseur dans le jeu, on peut regarder par la fenêtre, c'est vrai que c'est... Enfin c'est trop bien, c'est trop con. Il n'est pas européen ce monsieur, mais... qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai raté l'intersection. J'ai raté l'intersection. Je suis en train d'essayer de faire les points de reconnaissance avec le B66, j'ai pas de mentir. C'est assez complexe. Oh, ça peut se faire. Hein. Non, mais parce que je suis... y avait pas de route, du coup j'ai décidé de passer à travers la pampa. Ah, donc il est à droite. Let's go. Je sais que sur une des cartes américaines qu'on n'a pas encore fait, qui s'appelle la. Ça a tout fait, hein. Pas, non, pas américaine, d'un autre DLC. De l'autre DLC. Pas de, de celui-là, de la Valley. Non. C'est pas la Valley, c'est l'autre, c'est la colline, je crois. Hein? Non, il y a qu'une seule carte. Non, il y a d'autres cartes. Ouais, non, mais dans. Je veux dire, enfin, le DLC, c'est Valley, et oui, on est en train de faire l'une des cartes, l'une des trois cartes de Valley. Voilà. C'est, ça, bah, c'est juste. Ouais, et il y a une autre carte dans laquelle ils te font commencer avec 5 véhicules. Mais genre t'en sélectionnes 3 et il te offre 2 camions chargés avec des remorques moyennes. Déjà prête. Voilà. C'est un petit peu des camions entre guillemets nuls. Ouais mais c'est rigolo aussi mais... des camions nuls un peu. Ce qu'on appelle un peu le retour aux sources, non? Ouais. C'est... Quand t'entends des gars comme toi qui commencent à cracher sur le D537, bah finalement, une petite session à base de voiture bleue pour tirer du bois, t'arrêtes de faire le con. Tu le trouves formidable le D537 après. J'ai pas besoin de passer une session à tirer du bois, j'ai juste besoin d'aller prendre le bois. Ça me suit. Ça va aller. J'ai fait un des points de vue. Super. Et je vais aller essayer de faire les autres. J'arrive à faire un peu de boîte auto en tirant ma remorque et tout avec B66. Oh, je passe mal la troisième, bien sûr. C'est vrai. Ouais. Ah ouais, très impressionné. Très impressionné, je m'attendais pas. Je me voyais bomber beaucoup plus vite. En fait, leur réserve d'essence et de réparation est assez légère au P66. Mais c'est que l'essence qui pèse le jeu. Pas forcément, hein. Quand tu regardes un tas, ça fait genre 2, 4, 6, 7 millions. 5 millions, c'est sûr. Non, mais ça. Mais j'ai une question. Les bidons, c'est du combien de litres? Théoriquement, je dirais bien que tous les bidons. Et c'est 50 gallons, je crois. Si je dis pas de la merde. C'est en gallons. C'est les Américains qui ont mis ça en place. Et c'est en gallons. C'est pour essayer de tricher sur les volumes, comme toujours. Ce sont des Américains. Ça fout de dangereux. Je sais pas, je sais que c'est bon. Je te lâche 50 gallons, mais je suis pas sûr. C'est ça. Qui correspond, je crois, à 120 ou 150 litres.
Parce que on a que 400 litres. Hein. De quoi? On a 400 litres hein, dans le camion et on a 7 barils. Ah bah 7 barils, si t'as 400 litres, tu divises par 7, c'est ta réponse. Je suis pas sûr que ce soit très réaliste. Bien sûr. Ah, ils m'ont l'air un peu petit tes barils, je crois. Ouais, c'est peut-être le baril russe. Hein. J'en sais rien. Baril russe. Après, moi je te parle du baril de pétrole. Qui n'est pas un baril de carburant, qui est un baril de pétrole, qui est l'unité d'échange commune dans le monde, sur les marchés, etc. Donc, je te rappelle que le baril de pétrole, c'est pas. Le baril de pétrole, c'est un baril de carburant pour lui. Ça, tu mets ça directement dans le moteur, ça passe. Oui, mais je veux dire, par rapport à. Ah, si t'as des barils de carburant peut-être plus petits que tu trouves par exemple dans les dans vos garages ou que tu envoies dans des trucs comme ça, mais je veux dire, moi je te parle juste de l'unité du marché. Et après, je sais pas, il y a peut-être des petits diffs d'empaquetage. Voilà. La session dernière, c'était Gnarton qui s'amusait à faire les points de vue, là c'est moi. Ah mais d'ailleurs, c'est ça que t'aurais dû faire. Ouais, mais on a dit qu'on le faisait sur les cartes américaines, c'est franchement. Non mais t'aurais dû prendre le petit A machin. Ça se fait quand même. Oui, non mais c'est... Ouais, mais je tiens pas à ce truc. Ouais, bah oui. Oui, on se fera une map américaine tranquille. Map américaine du chill. Ok. On est arrivé. Ah, je peux décharger un point de garage ici. Kawaii. Ah, ça m'enlève ma remorque. J'ai encore fait niquer tout mon carburant. Non, mais je suis pas le seul. Hein. Chez. Le truc, c'est une remorque de réparation, machin, tout ça. Il y a un point de garage, je décide de claquer le point de garage, ça déclenche la remorque. Ça, je trouve ça formidable. Hein. Débile. C'est vraiment encore une idée de. Vraiment une idée russe ça. Ouais. Puis surtout à quel moment le mec s'est dit bah ils ont une remorque de garage, ils vont forcément utiliser pour réparer le garage, tu vois. Est-ce que dans les points de vue que j'ai révélés t'as des véhicules comme ça? Aucun. J'en étais à peu près sûr parce que c'était de la merde. Hein. On va pas se mentir comme endroit. Garage, c'est bon. Ça arrive. C'était le... Merci. Je vais dire que c'était méta. Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir comme chargement le blanc? Alors, le blanc. Citerne à carburant de 2200 litres, un grumier pour du rondin moyen, un kit de réparation à 100 points, qui est d'ailleurs le truc que je possède actuellement. Ok, donc une remorque de garage à 2 points, une remorque d'utilitaire 600 carburant, 600 rep, une remorque de rondin moyen derrière, qui peut quand même transporter 8 points d'un coup, ce qui est quand même déjà pas dégueu.
Une remorque et camion ouais. 2006, la petite remorque Hirondin. Il a pas de grue. La remorque de ce machin réparation, il n'a pas de grue. C'est de la merde, officiel. Voilà. Oh, c'est de la merde, je sais pas, mais non, parce que ça. Non, 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 on peut pas dire que c'est de la merde parce qu'il fait quand même partie de ces très rares véhicules. Avec le. One shot une série. Avec le bateau là. Il fait partie de ces très rares véhicules à pouvoir trimballer 8 points d'un coup. Toute une série d'un coup. Du coup, il reste pas dégueulasse. Ils sont que deux à faire ça, je te rappelle. Hein. Ouais, non, mais c'est. Oui, du coup, l'inconvénient par contre, c'est qu'il faut toujours un coup de véhicule avec nous. T'as pris à gauche, toi, en sortant du garage là. Ouais, ouais. Dans la route sauteuse là, c'est ça? Ouais, bon, en fait, c'est pas. Je sais pas si c'est à cause du camion ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est dur ce lourd. Oui, non, mais c'est dur, c'est dur. Moi là, je suis en train de rouler en A plus tranquille quoi. J'avoue. Et je reste là-dedans. Hein. Sur le côté, hein. C'est pour ça que je te disais là au niveau du kiosque à Rondin, ouais, est-ce que c'est vraiment de la mélasse? Parce que non. Jusqu'ici, je vois qu'il y a beaucoup de flaques, mais je vois qu'entre chaque flaque, la terre est en général bien dure. Elle est caillasse. Ça rien, elle est pleine de caillasse. De quoi? T'as pris une remorque, mais ça servait à rien parce que du coup, j'ai déjà posé la mienne là-bas et qu'il faut juste que j'aille déposer celle de mon camion qui est là. Ah! Ah mais quoi qu'en fait j'ai peut-être tombé à court de carburant, non c'est peut-être bien fait. Qu'est-ce qui te fait dire que je vais pas tomber moi aussi à court de carburant? Parce que toi t'as 800 litres. Non parce que j'ai oublié de me recharger en carburant. Non, le garage te remet 800 litres. Non? Eh ben monsieur, ton information est erronée. Parce que je n'ai tu remets pas remis 400 litres. Enfin il m'a remis à 400 litres. Pas mal. Je sais pas si le prochain garage est loin, mais. Ouais, ouais, si on bat le terrain, est un peu merdique pour y aller. Soit. Bah, on voit comment ça roule. Hein. On peut rattraper tout de suite. Oh putain, les branchages un peu mouillés. Heureusement qu'on a un gros truc, mais là, les psyches. Là tu te dis en fait, ouais si tu joues en P130 tu fais comment? Au mieux tu vas se planter sur le premier coup de bois. Au pire t'es au milieu et là t'es baisé. Ah, t'as pris beaucoup de dégâts en plus c'était pas ça. Avec des branches dans les issues de Théo, c'était surtout bien bloqué. T'arrêter parce que. Non mais je vais t'arrêter pour regarder la carte parce qu'il y a un frein qui part à droite et un frein qui part à gauche. Et qu'il y a de la boue un peu. Ça pousse un peu hein. Ouais merci, je sais. Ça c'est très sûr de passer un peu. C'est ce que j'ai fait, mais là par contre c'est de la boue si je suis. Je vais en mettre en 1 parce que je pose une franchise. Oui, oui, non, mais... c'est un camion qui fait beaucoup rouler en 1. C'est... Moi je roule comme un vieux salaud ou un plus et j'arrache la moitié du terrain. Mais en vrai, faut rouler en 1 tout le temps quoi. Par contre, en 1 qui peut stopper quoi. Je pense ça. Le carburant. Ouais, ah, mais c'est vrai.
Je me mets en petite 1 pour économiser de l'essence parce qu'il me reste 136 litres. Faut que je te double alors. Vas-y, vas-y, je me mets sous la gauche. Non, non, mais non, regarde. Ah non, pardon. Pardon, pardon, j'avais pas vu. Attends, je me mets le coup juste. Je me mets le coup, désolé, je t'ai pas vu. Ah ouais, vas-y, roule tranquille, serre juste à ta droite, je suis pas de gauche. C'est pas ça. On va se doubler, on va mettre 3 minutes à se doubler, c'est pas mieux. Ah putain, je suis trop mal. Du carburant 1 normal là. Là, non, non, j'ai un petit train. C'est juste que c'est du terrain dur en plus. C'est plus dur, c'est plus de la bouche sortie de la bouche. Bon voilà, maintenant je suis en plus parce que c'est sa mère. Ok, retirer l'intégrale, ça ne marche pas. Ah non, il faut surtout pas. Ah, c'est juste à gauche. Attends, je tourne sur la gauche. T'es prévenu, on est au garage en fait. Juste là. Attends, 30 secondes. C'est bien parce qu'il me reste moins de 3 minutes de carburant. Toi aussi? Ouais. C'est bizarre quand même, les grands esprits sont là. Ah ouais, mais attends, on est baisé, regarde. Quoi ? On peut pas prendre la grande route pour venir parce qu'il y a un putain de procédé de grillage de ses mains. Quoi ? On peut pas prendre la route pour venir parce qu'il y a un procédé de grillage. Ah bah non, on peut pas, bah non, ça aurait été trop facile. Non mais attends, là on est dans des maps DLC, là, on est plus... On nous a enlevé les roulettes, là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que première chose qu'il nous faut, c'est du carburant ici. Ou du moins sur le chemin pour. Sur le chemin entre les deux garages. Au moins ça. Et là il me remet que 200 litres. Oh, c'est dur. Alors il faudrait que je prenne à gauche puis à droite pour descendre. Ah, il y a une station service sur le chemin, mais elle est cachée par un point de vue. C'est à gauche ici. C'est à gauche là en fait. Prends tant de citrouilles que tu n'as pas écrasé. Non mais attends, mais en fait je ne les ai pas écrasé ici. Regarde, quand tu vas passer, tu regarderas sur ta gauche là. Tu vas tourner à droite pour aller sur la route, d'accord? Tu regarderas sur ta gauche. On va pas à gauche, là, tourne à droite, et une fois que t'as fini de tourner à droite, tu regardes à gauche. D'accord. Ah oui, t'avais un joli champ de citrouille là, ah, sympa. Ouais, je suis allé en plein milieu comme un bon gros. Du coup, t'as eu ton succès des citrouilles? Ouais. C'est bon. J'ai fait 3 mètres et demi dedans, c'est bon, j'ai le succès. T'aurais déjà écrasé pas mal. Franchement, un poste d'aiguillage sur une route aussi merdique. Ouais, parce qu'il faut là le poste. C'est pas non plus. Il
faire payer quoi, la qualité de la boue. Il y a des impôts pour avoir une bonne qualité de boue qui colle bien notre. Checker ta carte et me dire c'est la combien à gauche que je tombe pour le carburant à peu près, parce que là il me reste un peu 30 litres et après je suis baisé à gauche. C'est à gauche maintenant, à gauche. Ouais, la prochaine à gauche je pense, je suis pas sûr hein. Parce que c'est comme c'est caché, je peux pas te dire, mais je pense hein. Ça, ce que je vois. Un quoi? Un camion avec une grue et une remorque à bois. C'est vrai. Le 6317. Et d'abord la station de carburant, s'il vous plaît. Putain. Par pitié. Il n'y a pas de carburant. Elle est à ta droite. Elle est à ta droite. Voilà. Ah, elle est cachée. Ah si, attends, je peux la voir. Je t'en ai débloqué un du coup. Hein. C'est vrai. Un avec toi, ouais. Ah oui, attends, tu veux que je tire peut-être? Non, non, il me reste encore 87 litres. C'est bon, je suis à fond poulet. On est bien. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que tes grumiers peuvent transporter en fait. C'est du moyen, hein. T'es sûr que c'est que du moyen? Ah ouais, c'est que du moyen, on peut one-shot et tout. T'es sûr? Ah, parce que je t'annonce que j'ai le même, hein. En fait, c'est le meilleur camion. Je crois jeu, que le bien. Moyen c'est derrière et à l'avant c'est du court. Je sais pas si... Je crois que si. Je crois que si. Non. Mais c'est pas grave, on peut quand même tout one shot hein. TKT, ça va bien se passer. Alors. Le kiosque à rondin le moins dégueulasse. Y a-t-il un kiosque à rondin pas trop dégueulasse? Celui du début, tu m'as dit que c'était d'horreur. Ouais, c'est une purge. Faut qu'on essaye celui qui est tout à gauche. Près de l'autre garage.
Oh sa mère, vraiment, c'est de la merde, du putain de terrain dans la pampa. T'as des trous d'arbres tous les 3 mètres et demi. Après, t'as peut-être pas pris plus la bonne route pour y aller. Y'a pas de route pour y aller. C'est pas la Russie, la Russie. C'est normal en Russie. Bloqué sur rien aussi. Tu touches un tronc qui est un tout petit peu mal orienté par rapport à tes roues, ça t'arrête. GG. Regarde. Avec un peu de chance, tu terminerais peut-être les points de vue avant que je termine la mission. Le camion, le dragon. Ah vas-y, fais les rondins, je vais essayer de faire. Ah mais il faudrait que t'en charges 4 pointes ou quelque part, même un point ça te suffirait. Parce que là le problème en fait c'est que j'ai 8 et 7 points normalement, si je dis pas de bêtises. Ça aussi l'autre derrière peut transporter du moyen et du moyen, mais ça m'étonne. Je crois que c'est du pour et du moyen. Derrière toi, ce truc est énorme. Soit t'as pas une petite remorque en plus. Ouais. Je peux pas te dire parce que je suis un peu bloqué avec une 206 en la putain de pampa et ça me casse les couilles. Voilà, 23 points dommage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait. Alors, par contre, je vais pas te cacher que le kiosque c'est peut-être la méga merde. Je vais quand même y ouais. aller parce que par contre la route est cool. Là, le petit chemin que je suis en train de prendre en vrai et que celui que t'as pris avec ton camion initialement est plutôt cool hein. Moi je pense ça. Ouais. Si je galère un peu à la Syrie, je m'en fous. Hein. Parce qu'en plus quand tu galères à la Syrie, c'est pas si gênant que ça, parce que t'as plein d'arbres pour te raccrocher, te tirer, te bouger. C'est pas tant que ça la galère quoi. Oh il s'est full boue ici, c'est sérieux. Le gars il a vraiment fait ses terrains de manière dégueulasse. Oui. Ça a la même texture que les autres, mais en fait tu t'en fous. Pas. Oui. Raison, pourquoi pas. Oui. On a oublié de dire que il faut que tu kiffes en plus. Oui. Jamais que tu vas faire 100% sur ce jeu. Les succès jusqu'au dernier. Pardon. Après, c'est pas faut que je fasse des bénéfices solo, ça c'est un truc que je ferai jamais. Hein. J'avoue que c'est peut-être compliqué de t'entendre les BMS. C'est ça, on peut parler de ton défi de la grue là dans la. Tu t'es bloqué tout seul. Ouais, après, bon, là moi ça m'avait gonflé, puis j'avais lancé ça vite fait, je voulais juste voir un peu la tête qu'avait le défi. On va y relancer. Après, t'as beaucoup de défis, bah déjà les 6 premiers sont gratos. Et après c'est beaucoup, faut les faire en deux fois. Parce que ce qui est bien c'est que tes objectifs fonctionnent, que t'as validé une fois, t'as pas besoin de revalider une deuxième fois. Ça va les défis, ça c'est bien. T'es sérieux, je suis retourné là. Je déteste ma vie.
suis dit, tiens, il faudra probablement en arrivant que je fasse le plein. En fait, j'ai juste à 50 ans. Qu'est-ce qu'on est pas là. Il était vraiment détesté ça. J'ai perdu un petit quart de carburant pour venir du garage. Ah non, de la station de carburant avec un mec derrière moi jusqu'au kiosque. C'est beau ça, non? Je te sens en train de te prendre la tête à ça. Oh, c'est une casse. Même pas bougé. C'est de la boue, des cailloux, encore de la boue, des cailloux et de l'eau. Waouh, wow, ouais. T'aurais pas oublié de dire qu'il y avait aussi des fois de la boue. Ah oui, et aussi du sable. Mon B66 est mort. Je sens que t'as l'air de passer un excellent moment, je crois, non? Ouais, du fun. Du fun en barquette. Hein. Ouais, mais c'est encore un B66 que j'ai. Un genre B66. Modèle du sud. Bah, je préfère les points d'observation. Que quoi? Tu sais qu'on pourra pas quitter cette map si tous les points d'obs sont pas faits. Hein. Ouais, c'est pour ça. J'ai sorti les grands moyens. Alors. Tac. Tac. Et tac. On a même mis des petits trous pour l'occasion. C'est pas mignon ça. On est d'accord qu'une remorque à rondin, ça te suffira pour finir la carte. Alors normalement oui. Et si tu patientes un peu, je vais même pouvoir te dire si en fait j'ai plus de trous ou pas du tout. Ok. C'est-à-dire que je suis en train de tâter du rondin moyen et je vais voir s'ils sont validés. Si quand je les place à l'avant, ils sont validés. J'y crois pas. Franchement, un petit camion comme ça transporté deux fois, je suis point d'un coup. J'y crois. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Et des minus. Toujours très clair hein, ce jeu. Ça m'a l'air. Ça m'a l'air un petit peu. Voilà, je te cache pas que ça m'a l'air un peu gros. Hein. Théoriquement, ça rentre. Hein. Ah, regarde, normalement, il dira si la remorque. Ouais, ça rentre pas. Hein. Non, mais okay, c'est bien, c'est juste ça rentre pas en fait. Ah, c'est okay. Comme ça, c'est top. Donc, oui, j'aurais que. Je n'aurais que. 15 points. Après, si t'as ton autre que tu charges avec du rondin moyen, comme moi, soit tu peux faire vraiment que du rondin court et lâche ta remorque, ça t'es tranquille, t'es peinard. En fait, j'étais parti pour continuer l'exploration avec le camion blanc parce que je cherche une citerne de carburant. Ouais, bah prends ton temps, vas-y. Vas-y, il nous faut cette exploration de toute façon. Il est vrai que du coup c'est toi qui t'y colle. C'est vrai que je suis sûr du rondin. Pour une fois je fais le travail facile, c'est incroyable. Je suis tombé sur. Je fais le travail facile pour une fois parce que là, tu fais le truc plus facile d'habitude, c'est que là c'est vachement facile en fait. Ce que je fais, y'a rien à faire. Bah ouais, t'as tout ce qu'il faut à disponibiliser. Ah bah, c'est clair. C'est gratos. C'est... Alors que d'habitude. Bon, en même temps, il est vrai que d'habitude j'ai pas ma grue. J'ai jamais de cru. Aussi. On va pas se mentir, le jeu m'en donne jamais. Là c'est la première fois qu'il m'en donne un. Évidemment je rince la mission. C'est un peu comme si le jeu venait me dire Knarfan, je veux de toi. Évidemment. Pour une fois. Voilà, je suis obligé de lui répondre. Je suis obligé de lui répondre oui je veux, bien sûr. Avec grand plaisir nous aurons cette histoire et cette aventure ensemble. Parcourons ce bout de chemin dans nos vies. Faut qu'il advienne quoi.
Ouais, je sais, c'est bon. Ouais. Pour une fois que tu fais quelque chose. Oh. Yes, super. Yes, j'aurais bien aimé devoir faire les débuts du jeu si j'avais juste pris DB 130, tout claqué, 100% 137. Rigoler, hein? On peut rigoler. J'adore les noms ici. Des petits gagnants ici. Production, hashtag représente. Hop là. C'est vrai qu'elle a un peu claqué cette roue encore. C'est des bons s'il y a du monde quand même. Sur beaucoup de cas de figure. Et j'aurais dû charger l'autre avant, comme d'habitude. Super, je l'ai pas fait. Voilà. Changeons de camion, mais je pense que l'autre il est trop loin, c'est ça. Hop, changeons de camion. Est-ce qu'on avait vraiment besoin des petits trous? Là, je me suis retourné. Ah, tu me suis retourné mes enfants. Ouais! Ouais! Donc, ça y est, tu t'es retourné? Non. J'attends que toi tu te retournes et que tu les au secours. Ah bah oui, j'ai un jeu de camion, tac, c'est pas ça, hop là, j'ai un jeu de camion, tac, sur cru. Oh, la triplette. Intéressant. J'aime ça. T'accroche pas sur n'importe quoi, bonhomme. Ah, il me reste deux roues, c'est ça, il y en a qui va baguer. Ah oui, il y en a qui va baguer, très clairement.
mange une grue, on mange les encres, on mange mon ancrage, hop hop hop, on change de canon. Toi, tuc, stop ton web. On passe la première, on enlève le frein à main et c'est parti Simone hein. Oui, il a atteint le point de vue, ça c'est beau ça. Moi je pars, il atteint le point de vue, là vraiment il se passe des choses, il y a une synergie incroyable dans cette équipe. Écoutez, c'est fou. Les petits camions qui sont chargés, ils arrivent encore à arriver. Impressionnant. Il reste combien de points de vue à faire un peu? Plaît-il? Il reste 2 points de vue à faire. 2 points de vue? Ça sent la victoire, ça. Bah, change de camion. Hop. Je sais pas ce que j'accroche. Oui. Pourquoi pas, admettons. Ah, là, t'accroches à la remorque derrière. Ah, mais putain, il emmerde avec sa boîte automatique. Hein. Vraiment, il m'a fait toujours ce jeu. Je sais pas que j'aime pas sa boîte automatique, mais enfin, il te remet tout le temps systématiquement dessus. Ah, mais c'est traître parce que quand tu commences à avancer, que tu vois que t'avances pas, en fait, t'es en train de creuser ta tombe. Là que t'es pas sur un point, hein. Je suis pas sur un point sensible de mon gameplay à ce moment là, mais c'est pas très agréable. Allez, on part en mode petit train. Avec les 15 points de web. Où est-il? Chouchou sous cabiette, sous cabiette. Non. Ça sous cabelette, en effet. Gameplay qui va être bouclé à une vitesse folle. Réussira-t-il à terminer les points de vue avant jamais? Pas sûr, il n'arrivera pas à passer. Et il y a des cailloux dans cette putain de flotte. Ça décide des routes, ça arrache tout. Mais au moins tu décides des routes, tu sais où t'es passé. Voilà. Donc ouais, si vous y voyez une forme de phallique ajustée de deux sphères à côté, vous êtes quelqu'un de dégueulasse. Essentiellement claquer la moitié de mon cardio. John McLean a atteint un nouveau point de vue. Pas noyer un moteur par son coup d'échappement normalement. Plaît-il? On ne peut pas noyer un moteur par son coup d'échappement normalement. Je crois pas, non. Vraiment que ton moteur soit intégralement plongé dans l'eau.
Non mais IRL. Ah IRL oui. Bah IRL oui, tu peux. Bah tu peux noyer ton bouton, tout à fait. Par le coup de fer. Bien sûr. Après il y a très peu de chances que ça arrive, il faut vraiment une grosse pression d'eau en vrai. Ça peut surtout endommager ton moteur, te faire péter un certain nombre de trucs, mais les gens qui te disent de ouais si t'es trop dans l'eau machin tu peux couler ton moteur, c'est fini en fait, les moteurs sont tellement sous pression maintenant, ils mettent tellement de pression que pour que l'eau remonte dans le piston, bah, lève-toi de bonheur. Lève-toi de bonheur parce que le truc a plus de pression qu'une balle de fusil sniper. Donc pas du tout de pression. De quoi? Pas du tout. Si si. Si si, ce que t'aimais un injecteur de moteur peut dépasser. Alors on est. Alors c'est un peu. On peut pas passer par là. Quoi? Parce qu'il y a pose aiguillage. Ah ça c'est embêtant ça. Ah ouais mais alors du coup pour faire demi-tour avec mon chariot là c'est mort. Donc je vais être obligé d'aller. Je vais vraiment être obligé d'aller jusque là. Ok. On va faire un crochet quoi. Hop. Je vais te faire un crochet. Attraper un coin de route. Ah ouais, je me suis fait avoir. Ah quoi qu'attends, je peux peut-être encore couper là. Bah c'est chaud là. Non mais là c'est chaud. Tester une marche arrière, c'est tout jeune, les roues droites. En vrai, ça se fait un peu. Hein. J'ai une remorque à bois qui aime pas très très beaucoup ça, mais. Ah merde, chargement perdu. Et voilà. Hop là. Chargement retrouvé. Sérieux? Oui parce que les rondas ils sont pas tombés par terre tu sais. Arrête. C'est bon. Faites pas Martin, je m'en fous, je trouve. Allez. Moi je pense qu'on peut tourner. Pas grand chose hein, mais on tourne. Ok, on tourne. C'est un sapin, ça pose des problèmes. Ah ouais, les sapins vont poser beaucoup de problèmes. Hein. Par contre, après le tournée, un jour le camion se passe pas. C'est un peu la marche arrière du film, mais ça se fait. Chargement perdu encore. Non mais faut arrêter de s'amuser à perdre le chargement comme ça monsieur. Voilà. Refixe moi le chargement. C'est très bien passé. Bon. On va rencontrer des petites difficultés à ce qui paraît. Oh, oh. Là ça coince. T'entends pas Tonin, hein. Personne t'entend, faut parler plus proche de ton micro. Non. Vas-y exprime-toi, tu disais. Je me foutais de ta gueule qui était coincée sur un rondin de bois. Ah d'accord. Bon comme ça c'est. Bon là avec le bois de l'expert je pense que je mérite un peu de. Hein, je mérite un peu de respect quand même. Non, parce que t'as pas tous les points pour tenir tous les pièces. J'ai pas tous les points de quoi? T'as pas tous les points pour pas tenir tous les pièces. Vérifier mon son parce que c'est pas moi qui t'entends mal parce que j'ai plus bruit. Ah voilà. Ouais, le volume en effet t'es pas très fort, tu le disais. Je disais, t'es pas fort, tu vas pas réussir à ouvrir une voiture.
Bah ouais, super, mais en fait le seul moyen de pouvoir one shot de Siri en même temps, c'est un convoi de 3 véhicules, ce qui est impossible, le jeu le permet pas. Oui, non, non. Et si, alors si, je pourrais faire un one shot, mais il aurait fallu qu'on me donne, comme on t'a donné, un D535, sauf qu'encore une fois, c'est pas moi qu'on l'a donné. Voilà. Dans quel cas, oui, j'aurais pu juste tirer 2 camions avec lui pour chacun. Sinon, mais bon, le jeu me donne pas toutes les cartes pour que je puisse travailler convenablement, je fais ce que je peux. Par contre là on traque, c'est dur. T'aurais pas quelqu'un avec du carburant dans le coin là? Si, sur la route quand tu vas remonter tu diras qu'on sera là. Oh, ouais. Parce que là ça va commencer à être très chaud. Ok, j'arrive. Dans deux je suis à sec. J'arrive. Dans 2 minutes. Ah, je serais peut-être pas là en 2 minutes hein. Litres. Oh là. Bon, j'ai crash. Bon, pète. Ah, je crois qu'il a voulu dire que son PC avait crash. Je suis pas sûr après. Hein. Je ne me permettrai pas de la farine de juger. Oui, oui, bonsoir, oui. Ok, mon PC a crash. Ouais, on a entendu ça en direct. Mon PC a. Ah, merci. Au revoir, hein, à la prochaine. Hein. Bonjour. Salut. Vous avez une goutte de fioulas? J'ai seulement 100 litres. Ça fera l'affaire. Et ça fera l'affaire. Je peux changer l'autre derrière aussi, un petit. Je peux pas, je vois pas. Ah. Bah, recharge pas l'autre qui est derrière. Je ne pèterai pas mon convoi, hors de question. Je suis en marche, monsieur. Le PC a été pris dans ce même temps d'un espace réussif en type d'arpent. C'est ça. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Je refuse de jouer à un jeu en titre. C'est de la merde. Ce jeu est le sommet de la tristesse, je vais pas faire de vidéo là-dessus, les gens vont vous abonner. Vas-y, moi je dis, si j'ai un commentaire qui dit ouais je veux voir du Heart of Iron 4, c'est ma vidéo autre que toi. On peut s'arranger. Je veux bien. Je vais aller chercher Arthur et Andreas. Ça marche. Pareil qu'il arrive dans les 10 minutes ou pas? Autre que Arthur et Andreas. Voilà. Oui, on parie qu'il arrive dans les 10 minutes. Le commentaire? Ouais. Ah ouais, c'est sous cette vidéo là, ouais, ça me paraît vachement intéressant. Ah, sous cette vidéo là? Bah oui, ouais, évidemment, ouais. Puisque cette vidéo sera pas postée avant. Il faudrait que ce soit un viewer qui me la demande. C'est baisé, hein. Ah, mais il n'y en aura pas. Alors, Iron 4, c'est le pire jeu de l'humanité. Après Fortnite et après League of Legends et Overwatch et beaucoup d'autres jeux. Mais quand même, maintenant il est passé. C'est que pour toi. Il y a que toi qui aimes ce jeu. D'ailleurs, il y a que toi qui joues à ce jeu 4h sur 24, 7 jours sur 7. Tu dors ce jeu, tu rêves ce jeu, tu es ce jeu. Tu as des gens qui devraient rentrer dans l'équipe de dev de ce jeu. Trop tard. Ah, il n'y a plus de dev. Si, mais ils sont partis avec l'argent. Le DLC. Ah. C'est quoi, c'est des gens de chez Paradox alors? Ouais, je crois, ouais.
Oh, c'est le dernier point. J'ai vu ça, non? Ouais. Moi j'ai pas le 100% de la carte. De la vision. Moi non plus. Moi non plus, parce que je l'ai jamais faite, hein, du coup. Moi non plus, j'ai pas. Bah, je sais pas, j'ai pas le. Pourtant, je suis arnaque. Peut-être que les succès des points de vue n'existent pas dans les DLC. Si, parce qu'on les a eu sur les Américains. Ah ouais. Ah, dans ces cas, si on les a eu sur les deux maps américaines, on les a eu. Ouais. Ah, plus d'essence sur le véhicule arrière. C'est vrai. Ouais. Ça y est, c'est la galère. En plus, je rentre dans la boue. Ah, c'est la vraie galère. Secours. Allez, c'est parti. Putain, j'aurais vraiment du mal à monter cette côte, etc. C'est parce que l'autre il avait mis le carburant. C'était la crise. C'est pour ça les enfants, il ne faut jamais écouter le plafond. Non, j'ai pas envie de casser mon convoi, il y aura assez d'essence. Ouais. Je m'attendais pas à ce que l'autre en tracté il consomme autant. Hein. Après, il a pas du tout la même taille de réservoir que l'autre. Et puis il est en boîte auto, tout le temps. Ah ouais? Bah oui, c'est l'IA. Elle est en boîte auto. Oh putain. Tiens, change de véhicule. Change de véhicule, je suis derrière. On va s'en faire un peu de ça. T'es juste derrière là? Non, oui, regarde. Yes. Je suis dedans. Genre il a vraiment plus d'essence? Non. Merci! J'ai plus toi. Un litre. Et n'oublie jamais que tu l'as fait pour le bien de la commu Xababa God of War. Bien sûr. D'ailleurs, moi du coup, si je veux de l'essence, je fais comment? Je vais en chercher. Ah oui, c'est vrai qu'il me met du coup en boîte auto. Merci. Merci le jeu. Merci, c'est le jeu. Ah bah là, on avance un peu, ça fait plaisir. Hein. Ah, tu te rends compte qu'avec mes deux petits véhicules, je dois être allé sur une petite moyenne de 70 litres par minute. C'est pas mal. C'est pas mal. Seulement. Ouais, seulement. Hein. Heureusement que le petit derrière il consomme pas trop. Hein. Et encore, je pars du principe que l'autre derrière il consomme pas son 30 litres. Mais hein. Je pense que l'autre là derrière il est 60. Il est. Ouais. Ouais. Là en vrai, on est plutôt sur une base de 80 litres à deux camions en moyenne, je pense. Autour des 80, bien, 70, c'est... 75 quand même. Ouais, on va dire 75. Enfin là tu vois avec la côte qu'on a là, monstrueuse. Parce que là elle est monstrueuse la côte, hein. Je passe à 50 litres. Rien que pour celui-là. C'est vrai. Ouais. Pourquoi tu en as moi? Je sais pas, parce que t'as cru que c'était un chemin. J'ai même regardé ouais. Sur la carte, je fais qu'est-ce qu'il fout là. Je me suis dit peut-être qu'il connaît un raccourci pour aller à la Syrie. Oh le con, il s'est joué. Oui, non, par contre, j'aimerais oui enlever ces points-là qui ne sont pas des vrais points. Tac, tac, tac. Voilà. Ça y est, j'entends le métal. Pourquoi je suis encore parti par là, moi? Eh, par contre, c'est un truc qui est absolument monstrueux, hein. Cette maison et cette maison, ce tronc d'arbre et ce morceau de caillou est toujours au même endroit. Et toujours dans toutes les cartes. Hein. Oh, c'est un pattern. Il y a un arbre, une maison, une clôture, un caillou, ils sont toujours au même endroit. Pas au même endroit, mais toujours sur toutes les cartes. C'est vraiment. Notre maison, c'est parce qu'on déplace notre maison. Avec notre caillou et notre arbre. Caillou qui pèse plus lourd que le chargement de bois. Ouais. Ah ouais, il fait que du 25 litres là mon gros, enfin en première, petit capteur.
Ah oui, par contre, c'est vrai que oui. Par contre, faut pas rêver. Ouais, non, mais j'ai rêvé pendant un instant. Là, je vais vous le repasser en 1+. C'est vrai que je me suis rappelé qu'en fait, il était pas très d'accord avec ce projet initial. Bien, il manque plus qu'un petit point de WAB. Si tu pouvais ramener un petit fagot de bois, genre quelques planches, des trucs comme ça, là, on serait bon. Non mais prends ton camion avec ta grue, enlève ta remorque et vas-y. Ouais, super, ça va tout à fait quoi. Ouais, d'habitude c'est cool. Par contre, très vite, comment on déplace mieux, c'est fou. Hein. Ouais, mais ça veut dire qu'il va falloir que je traverse la rivière avec le petit là. Bien sûr, on va avoir envie. Hein. J'ai réussi à traverser 4 fois avec le B66 avant de le toucher. Ouais, mais pas chargé avec du bois. Par contre, j'ai une idée de scénario hein, pour les prochaines, prochains jours. Hein. Vous êtes des putains de camionneurs et vous devez aller chercher de quoi. Hein. Meilleur scénario pour RN2. Ouais. J'ai une question, on est d'accord que tu ne peux pas traverser avec un chargement chargé? Avec un chargement chargé, ça fait deux fois le mot charge. Non mais avec un... Non mais avec le... Il peut passer des couillages dans aucun sens avec du bois. Ouais mais est-ce que ça compte le bois qui n'est pas validé cette remorque? Alors, libre à toi d'essayer. Et ouais, finalement. Dans le sud, c'est par là. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Je sais même plus par où je vais. J'ai pris la bonne route, moi? Non. Non, pas du tout, hein. Eh bah, on est bon pour faire le test. Continue tout droit, traverse la rivière. Je vais récupérer au cas du web. Bah, c'est tout en bas. Hein. C'est bien, je reconnais pas trop la zone. Je me soulève, il y a un peu trop. Pas où ta rivière là, je sais pas, c'est ça hein. là oh là là, pas où il y a de mauvais, c'est cailloux, sable, pente, dégâts. Je vais passer par là, je verrai bien. Je pars, c'est très bien passé. Du coup, le kiosque, il faut que je reprenne une route. Okay. Faut que je reprenne une route qui est à gauche. C'est pour toi. La route à gauche.
cavalier, hein. Hop. Là, ça penche, ça penche un peu. Hop. On va essayer d'avoir un peu dur. C'est la bouillasse. Un coup c'est très bien passé. Tac, petit tronc d'arbre. Ça c'est très bien passé. Tac, esquive latérale du sapin. Ça c'est très bien passé. Oh mais le monstre! Oh non mais le monstre du pro gaming là, hein. Je suis désolé. Hein. Et je vais me faire arrêter par une vieille branche. Okay. C'est ça. Et tu vas prendre 150 points de dégâts. Évidemment. Ok. Et donc là tu veux que je fasse le test ok, de balader avec du bois simple. Tu sais que si jamais c'est non, je peux sacrément me prendre la tête hein. Mais ouais. Non, t'inquiète, on fera passer par dessus avec la grue. J'espère pour toi que le mec a pas codé un mirage aussi. Ouais, j'espère aussi. Je vois bien le mur invisible. Moi je le pressens adorablement bien. Mais on le saura, on fait ça pour le gaming. C'est ça. Voilà. C'est pour le speedrun en préparation. Ça. Finalement, si on le fait pas, on ne le saura jamais. Par contre, en fait, celui-là, tu peux le laisser en automatique. Hein. Il a son bloc différentiel tout en intégral. Hein. Le mien, là ? Ouais. Non, non, il le vit quand même moins bien. Ah non, mais c'est le mien qui peut transporter du moyen. Et du moyen, pas le tien. Le mien et du moyen ? Ah, c'est vrai. Oui. Attends, toi, t'as le C combien ? Bah là, c'est du court que j'ai. Hein. Non, mais c'est du C, c'est le C combien que t'as ? C6317. Et j'ai le C. Ah, si, c'est la même. Mais pourtant, moi je suis pas sûr que le moyen ça passe dans celle-là. Tu regarderas, t'as moins de barres et moins d'espace en fait pour, que par rapport à ta remorque. Mm. De toute façon, c'est pas compliqué dans le jeu. Dès que t'as un grumier moyen à l'avant, t'es obligé d'avoir une remorque derrière. T'as pas ta remorque en bas. Par contre, ne serait-ce que j'apprécie l'idée que tu m'as donnée, ne serait-ce que le transport que je suis en train de faire, c'est-à-dire que je suis considéré comme étant un vide-lac. On aime la triche. C'est vrai que la première des triches en speedrun, en vrai, ça serait de jouer sans chargement jusqu'à l'arrivée. Mais en vrai, je pense que je pense qu'il n'y a pas de mur invisible. T'as un mur, mais je suis presque sûr que le mur tu peux le contourner dans le jeu. Donc meilleur camion pour faire le test hein. Le fait que la grue soit à l'arrière, j'ai pu bloquer le bois, donc il bouge pas. J'ai posé ma grue dessus, rien qui bouge. Ça se passe très bien. Je fais un petit voyage tranquille. En espérant que je sois sur la bonne route, bien sûr.
chaque fois qu'il passe une vitesse, t'as l'impression qu'il va monter. En boîte auto, il a pas de puissance en fait. Il a, enfin, il a pas de couple. Pour rien. Je suis déjà là. Bon, j'ai fait vite, hein. Poste d'aiguillage fermé. Le jeu a dit je ne le truanderai pas. Alors, on va faire le test, hein. On essaie de se le passer par-dessus le mur. C'est ça. Allô, Antonin, on t'entend pas. Oui. Attends, je me mets juste en position. Alors. Ah, tu penses que tu vas pouvoir le prendre comme ça? Vas-y. T'as pas besoin que je te dégage ma grue d'abord? Non, mais je n'ai pas vraiment en fait. Ah, okay. Si, un petit peu. Ouais. Si. Vas-y, enlève ta grue. Oh merde. Le jeu. Seuls les camions sans rondins peuvent passer. Oui, mais le jeu. Attends, c'est faux, je n'ai pas de rondins. C'est un mensonge. Et là ton rondin il reste bloqué par le mur invisible, la blague. Les truands. Non, c'est bon. Oh putain, on fait passer du tronc mexicain quoi. C'est comme ça qu'ils font les mexicains pour un porte. Ah merde. Attends. Mais par contre faut savoir poser son rondin aussi, ça va être pas... mais ça veut dire que même moi là d'ailleurs je peux te les passer là en fait. Ouais. On peut travailler à deux grues comme des gitans. Tiens, prends ce bout de bois là. Démerde-toi avec ça, connard. Mais pourquoi tu vois pas que tu me gênes? Eh ben retourne pas. Ne retourne pas sinon je t'éclate. Je rage quitte la VOD. On pourra échanger nos pseudos comme ça. Parce que oui, littéralement sur Discord, je suis rage. Tu as le grade. Non mais c'est aussi mon pseudo sur Discord. Et c'est aussi ton pseudo. Et t'as le grade aussi, je t'en prie. T'as un grade rage qui est juste. Tiens, vas-y. Mais elle est bien. Mais elle est claquée cette grue, c'est comment là? Des fois, c'est pas ça. Hein.
Non mais je pense parce que c'est un grumier avec... T'essayes de chercher un grumier qui est de rue en fait, c'est pour ça. Non, non, c'est pas ça, c'est juste des fois la commande répond pas. Alors tu sais qu'il reste du jus. Bien, voilà, c'est bien rangé ça ou pas? Kiff, hein. Ah, maintenant j'ai le droit de passer. Let's go! Du coup, toi t'as plus le droit de passer. Non, mais moi c'est bon, moi je peux partir. Putain, mais ce jeu cassé quoi. C'est cette série là que je dois faire? Ah non, c'est celle qui est à droite. Ah, c'est à droite. Non, mais ce jeu cassé. Non, mais t'as pas le droit de passer si tu veux attraper un rondin. Ouais, mais la grue elle passe, c'est plutôt au rondin. Bon, après, c'était pas les routes les plus dégueulasses que j'ai faites, hein. En vrai, il y a des trucs les plus. En fait, genre, je veux dire, le marais était déjà beaucoup plus chiant à gérer, je trouve. Cette carte là était pas chiante en fait. Ses points de vue, sont chiants parce qu'il n'y a pas de route pour y aller. Ouais, si, ouais, il y a ça et puis. Bon, moi, c'est plus l'immense détour que tu dois taper aussi. Ouais. Quand tu cours de route, visiblement, t'as vu, tu peux, je peux les rattraper. Je crois que c'est l'une des plus rapides qu'on... Ah, c'est la plus rapide qu'on a fait. 1.39 hein. 1.39 hein. Les vraies techniques d'escroc à l'opération. Incroyable hein. C'est pour le game. C'est pour le speedrun. Oh là là, on vous remercie hein, c'était Knarfang et Antonin sur Comme d'habitude Gaming pour un jeu métal quoi. Et en bois. Ah ouais. Des bisous, à la prochaine. Cassé. Ah, tout cassé.